toutes et à tous, mes minets et mes minettes. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Binding of Undertale Afterbirth, qui est le quatrième. Et comme vous pouvez le voir, avec la suite à la vidéo annonce 6 que j'avais fait pour mon nouveau micro casque, j'espère que du coup dans cette vidéo, le son, le rendu sonore de ma voix sera bien meilleur. Et pour démarrer le quatrième épisode en fanfare, nous allons jouer avec Sans. Toujours en hard. Alors il a le Pupperclip et le Gaster Blaster, évidemment. Puisque c'est Sans. Hein. Et il a un item aussi très pété. Enfin pour moi. C'est Soy Milk. Alors je sais pas si le Gaster Blaster garde ses dégâts même avec le Soy Milk. Ouais, il garde les dégâts même avec Soy Milk. C'est juste... comment dire... Par contre, il commence qu'avec un seul cœur de vie, ce qui fait référence évidemment à, au fait qu'il n'a presque pas de vie, hein, ça, dès qu'on le touche, il meurt. Mais bon, avec le fait qu'évidemment il puisse esquiver, ce qui fait que même s'il n'a pas beaucoup de vie, ça sert pratiquement à rien puisqu'il esquive tout le temps. Donc on va faire comme ça, on va essayer d'esquiver la plupart des ennemis de manière totalement... totalement skillé, hein, même si niveau skill... Oh non, punaise. My Reflection, ça commence bien. Ouais, non, je sais pas si commencer avec My... Non, on va recommencer une partie. Parce que vraiment, commencer avec My Reflection, c'est pas quelque chose de super cool. Punaise, même le champion, il a presque pas fait le poids. Bon, là, on est en curse off, je vois pas ma vie. Donc c'est pas très grave. Donc on va continuer sur cette run là. Mon dieu. Encore un coup et je suis mort. De manière skillée, j'ai dit, hein. Je vois ça. On va quand même beaucoup s'aider du Gaster Blaster. C'est quoi ce truc? Merci. Ouais, au moins je le retomberai pas dessus. Ce qui est bien. Parce que c'est pas un item que j'aime beaucoup, ça. Little Chad. Alors, que va nous donner cette partie avec Sans? On prie pour tomber sur quelque chose de bien. En attendant, j'ai toujours qu'un cœur de vie. C'est un peu... cette situation est un peu dangereuse. Je risque de crever. Quand on risque, c'est plutôt fun. Ça dépend. Le niveau du risque que l'on encourt. Dans ce cas-ci présent, je joue à un jeu, donc c'est pas très... Voilà, on s'en fout un peu en fait. Alors, ici c'est speed et range up. Bon, au moins je tire plus loin. Enfin, plus loin, je vois pas très bien. Mais bon, voilà. Alors, wind 2, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Bon, déjà on peut péter ces deux coffres. Ouf, pour avoir un gros damage up. Je ne dis pas non. Ah, c'est un boss? Ah oui, d'accord. C'est vrai que je suis dans une boss trap, comme j'avais oublié. Mon dieu! Ce que je lui mets en dégâts? Ça, c'était... C'était cool d'avoir un damage multiplier comme ça. J'ai bien fait d'aller dans cette boss trap room. Parce que là, je vais commencer à faire beaucoup de dégâts. Enfin, beaucoup de dégâts. Comment dire? Les dégâts vont se faire ressentir un peu plus que précédemment. Bon, celui-là, c'est un géant. Il va un peu plus résister que les autres. Sauf si, évidemment... Je me sers de mon Gaster Blaster, de la mort qui tue.
C'est quand que j'ai une bombe sinon? Il y a un rocher bleu qui m'attend. Mon dieu. C'est qu'il y avait plusieurs ennemis ici. On a toujours une clé, ça c'est sympa. Pour une éventuelle salle de ré. Salle de ré que l'on n'a pas pour le moment. C'est bien de tirer vite, mais si je pouvais éviter de bouger les ennemis comme ça, ça serait pas mal. Ah, une petite bombe peut-être? Ah bah non, des clés. Bon, des clés c'est toujours mieux que rien. Surtout si je peux aller en boutique. On peut acheter... La Black Candle, ça me dit bien. Ça me dit bien, mais j'ai pas assez de fric. On va revenir un peu plus tard. Décidément, Caster Blaster, c'est mon ami. Ah ouh, The Hunt. Et en plus, celui que j'aime pas. Quelle coïncidence. Ah. Il meurt plutôt vite, ça va. Ah, une vie en plus. Pour avoir attamé. Ça, par contre, c'est cool. Bon, on va prendre le pacte. On va continuer à faire les étages. Enfin, le reste de l'étage, je veux dire. Si je puis tomber sur quelques composants en plus, ce serait pas de refus. On va viser évidemment le gros caca. Parce qu'il fait plein de dégâts. Enfin, il peut nous en faire. Ah bah voilà une bombe! Bon, avec tous les cœurs qui traînent, c'est pas grave. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, du tout. Vraiment pas une bonne idée. Alors, où est-ce qu'elle est la salle Ah, voilà, avec les bombes. De toute façon, on va prendre notre temps. Hein. Dommage si on va pas combattre Hush. Alors, le but de sens... Dans cette run, ça va être d'aller jusque Sheol, voilà. Parce que évidemment, Sans ne ça serait illogique qu'il aille se combattre lui-même. Blalalala. Dis donc, quelle esquive. Yeah, des sous. S'acheter ça, Black Candle. Et il nous reste une bombe pour... Évidemment. On va l'utiliser. Pour se faire un petit rocher bleu. Où est-il d'ailleurs ce fameux rocher bleu? Il est là. Ouais. Bon, après tout, on n'a pas d'item de barre espace. Hein, donc on va pas chier là-dessus. Ce serait un peu méchant. Et puis on avait des clés à revendre, donc c'est du tout bon. Après c'est vrai que c'est bête, hein, j'aurais dû utiliser cette bombe pour avoir la clé qui était... Ouais non, je sais pas si j'ai envie de faire cette arène. On verra ça plus tard. Oula, je les aime pas. Ils courent assez vite, trop vite à mon goût. C'était un peu risqué, mais j'ai réussi à tous les tuer d'un coup. Il y a beaucoup de vie, lui aussi. Le punch bag, je sais pas si je le veux. Bon, allez. On va dire oui. Maintenant, les ennemis vont se comporter de manière plutôt bizarre. Une clé dorée, ça se prend. Ça va être assez chaud pour la suite.
Merci. Merci. Je vais utiliser toutes mes bombes, ça continue. Un cœur d'argent. Oh ho ho. Lui, je le tue parce que j'ai pas assez d'argent. Maintenant, j'en ai. Ce qui fait éventuellement que je peux acheter quelque chose en boutique. Je peux m'acheter... Strength. Oh, God. Ça, c'est bien, Strength. On va donner un peu de vie à ce petit bonhomme. Et évidemment, à chaque fois, on va aller rechercher. Alors, on va faire beaucoup de backtracking, je vous préviens. Parce que moi, ce que je veux, c'est ce que va me donner ce petit bonhomme. Bon, après, s'il me le donne plus vite que prévu, franchement, ça sera cool. Mais j'y crois pas trop. Non, évidemment, pour le moment, il donne rien de spécial. Ah, si je pouvais voler, ça irait un peu plus vite. D'ailleurs, est-ce que je remarque, Sens, de base, il est vraiment rapide, là, pour le coup. C'est pas un personnage très lent que je suis en train de jouer. Et ça, c'est cool. Parce que Sens, il est cool. Après, on se demande pourquoi Papillus voudrait qu'il se taise. Pour ceux qui connaissent la vidéo... Au niveau de la référence... Oh, Saint-Oil. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va les coups, tout simplement. Un damage up, je demande pas mieux, qui est doublé en plus, faut le rappeler. Mais j'ai toujours qu'un seul dégât. Sachant que je tire vite. C'est un poil dangereux par ici. Oula, toi tu es un peu trop rapide à mon goût. Ok, bon là il y a des cœurs dont je vois pas l'utilité. Et le boss. Ça a l'air d'être le boss qui fait spawn. Tant qu'on casse ses spawns, il va pas nous tirer dessus, je pense. S'il nous tire pas dessus tout court, d'ailleurs. Un HP up. Mais malheureusement, pas de pacte. Bon, bah, c'est bien fait pour nous, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on finirait pas l'étage? Je crois pas. Ouais, non, on va y aller. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, sûrement, mais au pire, c'est pas grave. Curse Room. Oh, autant y aller. Agalaz. Désolé, mais j'ai envie de garder une Strength. Et puis en même temps, voilà, je peux aller dans la Boss Trap Room qui offre pas grand-chose de spécial. Oh, allez, on va la faire quand même. C'était cool. Et bon, ce que ça donne en combat... On va pouvoir tester notre damage up sur Hunt. Non. C'est moi qui te laserifie, c'est pas l'inverse. Ah, ça va être pas mal avec... Ouais, ça a été plutôt rapide au final. Ah, le Gaster Blaster. Franchement. Enfin, Little Brimstone, je devrais dire. Avec des damage up, Soul Mix, c'est très utile. Ça va, on les tue quand même assez vite, hein, les cocos. Je m'attendais pas à ça. Ah mais c'est vrai que j'ai le paperclip, je suis bête, depuis tout à l'heure il y a des coffres que j'ai pas envie d'ouvrir alors que si, il faut que je les ouvre.
Bon bah c'est dommage. Le coffre de tout à l'heure, je pense que je l'ai pas ouvert. Si c'est le cas, honte à moi. Ça m'apprendra aussi. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Alors, un coffre ici. Ouais, des sous. Toujours utile. Le D20. Ça, par contre, c'est intéressant. Ah. Bon, bah, ok. Le D20, ça ne reroll pas les objets sur les pieds d'Estao. Ah, il est tricky. Non, désolé, mon gars. Bon, je vais rechercher de la vie parce que je me sens pas safe avec un seul cœur. Je pense que ça se comprend. Sens plus rapide que l'éclair. Oh mon dieu. J'affronte l'avarice avec sens. En même temps, quand on voit sens d'Undertale... On a l'impression qu'il a pas mal un penchant pour l'argent. Hein. Mais bon, il est plus du style fainéant, alors... je sais pas... C'est bien Sloth, le péché de la fainéantise, si tu me souviens bien. Toi, je t'ai vu dès le début. Compte pas t'enfuir. What? Ils vont tous gentiment décéder. Cette partie est un poil dangereuse, je vais pas vous le cacher. C'est quoi ça? A mon avis, c'est pour les shops. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour les shops. Et voilà le boss. Bon, on avait tout ce qu'il y avait à faire. The Husk. C'est pas si puissant que ça en fait la bombe. Ok, alors un HP up, dis donc, je vais avoir que ça des HP up. Et pour le reste. Ouais, pour le reste on y va. Si je peux avoir autre chose qu'un HP up, ça serait pas mal. En item de boss évidemment. Ah, un cœur noir, ça par contre je veux bien. Ok, alors ici. Oh punaise. Ça va être le rect. Et dommage, j'ai pas eu de cœur noir. C'est la tristitude. Eh mince, je me prends encore des dégâts. Relax. Alors. Ok. Paralysis. Bon, pour le... Autant qu'à faire, autant aller dans la Curse Room. On s'est déjà pris des dégâts. Upiscolar, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Salle suivante. Ce genre de salle j'aime pas, mais bon, faut bien la passer. Celle-là aussi. Ici y a rien. Oups. Excusez-moi, il y avait une petite coupure, j'ai dû arrêter. Ok, bon, celui-là, j'ai dû me le prendre, c'était obligé. Oula, Gravity Tears. Oh, ça risque d'être sympa. Ça risque d'être sympa, ou ça risque de pas l'être, en fait. Là, en fait, je vais pouvoir tirer par coup, ou attendre que mes tirs, tout simplement. Hein? Non, c'est normal que... Je sais pas. Normal que mes tirs y traversaient les ennemis là. C'est peut-être normal, je sais pas.
Ah oui, d'accord. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est le boomerang. Bon, moi, je préfère le boomerang, perso. Une clé. Et pour la carte, j'ai déjà ce qu'il faut pour les cartes. Ok. On va voir la salle du boss. Allez, allez. Si je pouvais. Bon, ça va, j'ai le Little Brimstone. Le combat devrait pas être trop. Ah, il traverse l'ennemi, c'est quoi ce délire? Range up, tears up et la blende de cœur. Ça que je veux voir. Oh, c'est pas Death Touch ça par hasard? Ah, maintenant je tire des os, c'est stylé ça. Ouais, c'est stylé. Ok. J'aurais peut-être dû utiliser Strength. Pour éviter de. Enfin, pour qu'il me reste un cœur rouge. Mais bon. De toute façon, je peux rentrer dans la salle. Voilà, ici présente. Donc la Bostra Prom. En tout cas, maintenant avec Death Touch, ça va être sympa. Avec sens. Oula. Tu fais rect de quelques points de vie. Voilà, c'est un peu comme si on jouait Blue Baby. Ok, bon moi ça passe. Et au passage, on a un des match-up. Plutôt pas mal d'ailleurs le damage up au passage. Oh, par contre là on ressemble plus à Papyrus qu'autre chose. C'est plutôt dommage là pour le coup. Le chariot. Non merci. Ça serait peut-être utile pour une salle. Mais là dans l'état actuel des choses, non merci. On va peut-être éteindre toutes ces flammes machiavéliques. Aller en Curse Room pour récupérer plus de vie. Le Gaster Blaster quand même, alias Little Brimstone, est pas mal puissant même contre ces ennemis là. C'est vraiment bien de l'avoir avec lui, parce que sinon sens serait un peu... Un peu trop faible avec son petit Sulmic. Qui juste avant j'avais dit qu'il était pété. Ça dépend les combinaisons avec lesquelles on a Sulmic. Il y a des fois vous allez aimer l'avoir et des fois vous allez juste détester l'avoir. Genre avec Brimstone par exemple. Ceux qui ont joué à ce jeu et qui ont eu cette combinaison le comprennent. C'est obligé qu'on me comprenne moi perso. Celui qui était content de jouer Brimstone et Sulmic, franchement, je comprends pas. Peut-être Sadomaso, à la limite. J'ai pas encore eu l'objet de l'étage, donc je vais éviter de faire le boss tout de suite. Je m'en doutais. Ok, et en plus ça one shot mes mouches je pense, mes tirs en os là. Ce qui m'étonnerait pas. Ça sert à rien que j'achète le reste parce que ça m'intéresse pas le reste. Voilà, on s'est défait de tous nos ennemis. L'Ankh. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On pourrait éventuellement...
Non, mais c'est un piège, c'est on peut pas passer en fait. Non, mais qu'est-ce que t'as cru le jeu? Le combat contre Mom va être un peu dur parce que vous regardez, c'est Mom bleu. Du coup, ça va être un peu short. Je fais des dégâts avec Atame, donc c'est pas mal. Oula, j'ai eu chaud. Très chaud. Et heureusement, le combat s'est terminé sans trop de... Enfin, je regagne de la vie, c'est ça le principal. Et on va aller en pacifiste. Car je vous rappelle que c'est mieux d'aller combattre... Comment ça s'appelle? Enfin, Méga Azriel, quoi. Oh, j'ai reçu un cœur de je ne sais pas trop où. Plutôt sympa, la part du jeu. Il y a des pilules ici, mais j'ai pas envie d'aller les chercher. Je pense que ça se voit très bien pourquoi. Eh ben, il a de la vie, lui. M'en fous, en tout cas, je commence à faire du dégât. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Autrement, la partie serait un peu compliquée. Voilà. Et évidemment, on finit par Sloth. Qui va nous donner The Sun. On va utiliser The Sun, sans pour avoir tout l'étage. Parce que, excusez-moi, mais me promener dans... dans quoi déjà? Enfin, dans, ouais, dans le Outland, si le jeu préfère, c'est pas une très bonne idée. Du tout. Pourquoi je me suis pris un coup là au fait? Quelqu'un peut m'expliquer? Bon, vous reverrez le moment de la vidéo et vous me direz qu'est-ce qui m'a touché. Parce que là perso, je comprends pas trop. Eh mince! Est-ce que je vais mourir là? Oula, j'ai failli me faire avoir par mon propre doppelganger. Ça est un peu short. What? J'ai l'impression que ça bug les personnages quand ils sont stun comme ça. J'ai l'impression que ça bug. Voilà. Heureusement que je suis plutôt rapide. Oh oui, il a failli me viser. Ok. Ça c'est bon. Un peu de vie les gars, je suis sans vie là. Wouah. Skill. Je suis encore en vie après ça. Eh. On l'appelle pas sens pour rien hein. My god. Cette chatte de ouf! Et j'ai le droit de dire ça, je suis un minem. Ok, Magic Mushroom. OKLM. Magic Mushroom. Bon, ça a beau être Krampus, c'est bien. Ça me dérange pas plus que ça. Ok. Peut-être changer d'objet de barre espace parce que il aurait peut-être surtout essayer d'avoir de la vie parce que mine de rien je sais pas vous mais moi je me sens un peu mal à l'aise avec mes 1 coeur
Oh non. Et c'est là que je meurs sur Super Grid. C'est pas impossible, mais ça s'est pas produit. Bon bah il y a plus rien d'autre, j'ai pas trop envie. Bah allez, je vais aller dans l'arène. Imaginez ce que je peux trouver. Alors, est-ce que la salle... Non, ça va, y a rien. Est-ce que... Pff, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut clairement pas le coup. Oula, faut pas non plus que je meure sur de pauvres pics. On va donc dans les Outlands 2. Enfin, tchou. Ah ah, il y a des beaux trucs ici. Ça je vais le prendre. Je sais pas pourquoi je vais le prendre, mais bon, je le prends quand même. Ici, on a eu Temple Hunts. Ok, je me suis suicidé dessus. Mais bon, au moins, je renais. Ah, avec Muffet. En fait, Blue Baby, c'est Muffet. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. En fait, Sans ne sait pas qui il est dans cette partie. C'est dingue. Franchement, heureusement que j'avais l'ancre. Mais heureusement que j'avais l'ancre. Parce qu'il me... Quand même, imaginez, Sans... mourir comme ça, aussitôt dans la partie, c'est pas son genre. Non, non, le mec, il va revivre. Par contre, le mec me casse un peu les... Ah ouais, mais j'aurais gardé le boomerang, ça aurait été. S'il te plaît, mec. Allez. Prends-toi mes coups. Voilà. Là, c'est fait. Et j'ai pas envie d'aller en Curse Room ce coup-ci. Ouais, c'est bien, Lust. Balls of Steel. Là, par contre, j'ai peut-être envie d'aller en Curse Room. Je sais pas, faut voir. Si je fais pas trop le kéké dans les étages. On va essayer de voir d'avoir un peu plus de vie. Rocher bleu... Non, on dirait pas. Faut pas non plus que je fasse le kéké. T'as cru m'avoir toi hein. Allez. Il faut mourir les gens. Enfin pas vous. Encore. Ah, mais c'est quoi cette régénération de Soul Art? J'ai un objet avec moi, c'est pas possible. Regardez, hop, Soul Art. Comme si j'étais invincible. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais bon. Bien croire que oui. Ok, alors je peux utiliser ceci pour m'assurer une salle sans dégâts. Et une recharge juste après. Ok, bien. Et cette salle est plutôt tranquille. Une bombe qui éclate pour moi les poux, c'est pas mal. Je me fais encercler. Ok. C'est parti pour Mamzart. Me fait toucher plusieurs fois, c'est pas très bon ça. Il y a eu un gros lag. J'aime pas ce qui vient de se passer, non. Bon, je propose qu'on finisse sur Hush. Après tout, vu que c'est me fait. Enfin, je vois pas trop le rapport, mais bon, voilà.
j'ai pas trop envie de continuer la suite. On va prendre des trucs au hasard, au pif. Une pilule. Relax. C'est un peu bizarre de voir me faire chier de la merde. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et le reste de notre argent, bah vu que je sais que je vais crever, autant le foutre dans la machine. Et cette partie n'aura jamais vu le jour. Multidimensionnel baby, ouais. Aha! Ça c'est pas mal. Ça augmente la taille de mes shots. Et ça, ça m'aidera à résister un peu contre les boulettes du fameux Hush. Ok, bah je pense que nous sommes partis. On va se remettre un peu de vie quand même. Oula, j'ai failli me faire toucher. Pourquoi les tirs restent en l'air comme ça? C'est bizarre. En tout cas, la musique de Megalovania est géniale pour le coup. Sauf que maintenant, c'est la musique de... Bah, de machin chouette. Bon, vu qu'en même temps, Hush est basé sur nos dégâts. Voilà quoi. Ah, et en plus, regardez, il tire sur notre malheureux... notre malheureux punching bug. Ce qui fait que pour une fois, il se rend utile. Oula, ouais. Doucement, Hush, doucement. Laisse-moi un petit passage quand même. Ça, c'est pas marrant. Pourquoi il y a des larmes comme ça qui restent. Elles sont gâchées pour rien. C'est nul. Est-ce que je vais mourir sur Hush? Ou est-ce que je vais mourir dans Sheol? Suspense est à son comble. Enfin, pas pour le moment, parce que le combat est loin d'être fini encore. Je suis en train de marteler le clavier pour pouvoir tirer, parce que j'ai l'impression que mes tirs, quand ils passent sur le multiman DCL Baby, sont arrêtés. Ce qui fait qu'en fait, je viens de remarquer du coup, que le multidimensionnel Baby avec du coup les Gravity Tears. Ça s'annule, donc c'est une synergie assez pourrie. Donc que je vous déconseille. Oula, j'ai peut-être tiré par ici moi. Voilà, ce sera un peu mieux. Oulalalalalala. Hush, s'il te plaît. Ils sont un peu indulgents là. Ouh. Il a failli me les balancer sur la tête hein, le coquin. Je bouge plus. C'est officiel. Ça va. Ça aurait pu se passer différemment. Ça va, je suis à un bon endroit en fait. Par contre, je vais rester comme ça, lui tirer dessus. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, là par contre, c'est le moment où il va commencer à faire son chieur. Malheureusement, je n'aurai pas le droit à une seconde chance. Enfin, si, avec du piscolar, mais je préfère pas, vous voyez. Ah lol, tous ces cœurs qui tombent par terre, ça aurait pu m'aider. Non. Non, je ne crois pas, non. Au secours. Oh là là, ouh, c'est tirc. Aïe. C'est bon, t'as fini? À moi d'attaquer. Deux secondes. Bah dis donc, hein, il se laisse pas faire le coquin. Hein. Je sais même pas si je vais pouvoir gagner. Non, par contre, tu arrêtes ça tout de suite. Ah, par contre, il est bloqué là. C'est plutôt cool. Non,
reste sur mon punching bag, c'était bien ce que tu faisais. Sors du sol s'il te plaît, t'es pas marrant. T'es pas fair play surtout. Allez! Tu me tires dessus, pourquoi j'ai pas le droit de te tirer dessus moi? Évidemment. Non mais c'est bon, sans déconner, c'est bon, je sais, j'ai perdu, merci. J'aurais pas dû prendre Multiman de CL Baby, c'est bon. J'aurais pas dû prendre Gravity Tear, c'est bon, j'ai compris. Non, tu veux pas? Bon, je veux bien, hein. Et si je fais ça? Ah bah, évidemment. Du coup, il commence à tirer. Il est pas content. Ouais, non, personnellement... Allez, un peu de détermination. Il va falloir que je montre mon skill. Skill que je n'ai pas, malheureusement. Oh, punaise. Celle-là, je l'ai vu passer de près. N'abandonne pas, Julien. Sois plus déterminé. Ouais, bon, je suis un peu moins déterminé en jouant me fait que sens. Et de toute façon, sens est destiné à crever, malheureusement. Au moins, je serais mort sur Hush et pas sur le petit. Allez. Allez, sens me fait, tu vas réussir. Tu vas le tuer. Ouf, celui-là. Mais heureusement quand même que j'ai pris... Je dis heureusement, mais j'ai pas encore gagné. Mais de toute façon, voilà, je pense que je vais perdre. La plupart des coups ont été arrêtés par... par la tête d'infamie. Donc, masque aux fins de famille. Mais voilà, la partie s'arrête là malheureusement. Désolé, vraiment désolé. J'espère quand même que cette vidéo sur The Banning of Undertale vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas, ça me fera plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à pousser pour me soutenir et à partager la vidéo que vous avez regardée autour de vous. Je rappelle que ceci est le plus important. Et suite à cela, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao mes minous. Yeah.